Wow. En fait, je m'attendais à quoi hier en couchant à 2h30 du matin, en sachant impérativement que je devais me lever à 6h du matin, quoi. Et je vais me changer. À tout de suite. Tadam! Je suis enfin prête. Ah, c'est dur ce matin. Je suis vraiment genre tenue de train, quoi. Défilé, dress to impress. Tum 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 tum. Voilà l'outfit. Bon, allez les gars, je suis extrêmement en retard. À tout de suite! Ça va ou quoi? Moi je m'appelle Mathéo, alias Larzismato sur les réseaux sociaux. J'ai 19 ans et j'adore les bananes. Comment ça mon ref? Oh putain, une mini cam! Vas-y, je fais la cupide. Oh la dinguerie! Félix, je suis le moteur de Larzis Mathéo, j'aide pour les tournages, je suis un peu dans les backstage. Non, je fais la bise à la cam. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que t'as commandé? Les skins. Tu vas être un peu déçu. Hein. Bon, on fait le pack opening à l'intérieur. Ouais, il y a mes skins à l'intérieur. On fait l'unboxing à l'intérieur, les frères. Qu'est-ce que c'est? C'est un vrai truc. Ouvre la porte. Malus, oh la cuisine de ouf. Énorme gros. Oh putain de merde. Oh my god, mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? La maison de malade qu'on a. La maison, elle est folle. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir être dans un lieu comme ça durant 4 jours. De pouvoir filmer nos contenus dans des beaux cadres, etc. Donc franchement, un grand merci à Vic. Tout est ouf en fait, c'est luxe, c'est un truc de ouf. En plus, il y a le soleil, donc incroyable en fait. C'est ça ce que t'as reçu d'Amazon? Bah c'est ça, c'est les gilets et la tenue. Et pourquoi faire? On dit pire serveur. Et du coup, pire serveur? En caleçon. Bah non, bah tranquille, laisse mon caleçon tranquille, s'il te plaît, je suis pudique un petit peu. Il est 1h30 du matin, c'est une fin de journée. Aujourd'hui c'était hyper chill, on a tourné 2 vidéos YouTube. Mais alors demain, un planning les gars. De toute façon je vais tout vous vlogger. Mais je vous avoue que ça va être quelque chose. On va passer à la skincare, donc j'ai vraiment pris 2 indispensables qui pour moi sont suffisants pendant 4 jours. J'ai choisi un sérum Dr. Denise Gross à l'acide hyaluronique pour vraiment bien hydrater ma peau. Parce que là je vais pas mal me maquiller pendant 4 jours, donc ma peau va falloir qu'elle survive à ça. En attendant que mon sérum agisse, je vais me mettre de l'huile dans les cheveux pour que ça pose un petit peu pendant la nuit et que ça les hydrate. Parce qu'ils sont quand même vachement secs moi mes cheveux. Ça va encore pour quelqu'un qui fait du blond, mais voilà quoi. Ils ont besoin d'être nourris. Même si j'en ai trop mis, bah vu que ça va absorber tout pendant la nuit, et bah demain ils seront tout beaux. J'insiste bien sur les pointes. Ce qui est trop bien avec le sérum, c'est que il pénètre super vite. Donc là je peux mettre ma crème hydratante qui est de la même marque Dr. Denise Gross, qui aussi a l'acide hyaluronique. Et qu'est-ce qu'elle est hydratante? Super légère sur la peau. Et qu'est-ce que ça sent bon? Hop là. Une petite skincare rapide mais efficace, c'est ce qu'on veut. Et puis bah maintenant, il va falloir aller se coucher. Donc les gars, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Non mais les gars, je viens de me réveiller. Regardez qui y a dans la piscine. Tu fais coucou pour le ça vlog? Je comprends pas. Je me lève, je te vois nager. T'as bien dormi? Moi ça va. Bon, il faut que je vous parle ce matin. J'ai passé une nuit horrible. Hier, je me suis quand même levée à 6h du matin. On a quand même discuté jusqu'à un petit peu tard. En allant me coucher, j'étais vraiment très très fatiguée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, je suis allée m'endormir. Mais en fait, je m'endors pas. Je regarde juste par curiosité mon téléphone. Je vois qu'il est 3h du matin. Donc je fais là en fait de 2h à 3h. J'ai même pas fermé l'œil une seule fois. J'ai un cerveau la nuit qui est en vrac, c'est-à-dire qui pense à 25 000 choses en même temps. Et c'est des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. C'est trop bizarre ce qui se passe dans ma tête. C'est vraiment plein de pensées qui... dans mon cerveau. Je me décide d'aller me lever pour aller aux toilettes. Je reviens. J'arrive toujours pas à dormir et tout. Ça m'angoisse parce que je me dis, j'ai une grosse journée demain qui m'attend. J'ai vraiment fait une crise de panique. Et du coup, je vous avoue qu'à 4h30, en fait, j'ai pété les plombs et j'ai acheté un livre avant de partir. C'est aujourd'hui je vais mal, demain je vais mieux. C'est le chemin de la guérison de l'anxiété parce que je sais que si j'ai des troubles du sommeil, c'est à cause de quand même beaucoup de choses liées à ça. Je me suis dit, je vais tester ce petit livre. J'ai fait ça de 4h30 à 5h. Et après, quand je suis allée me coucher, je me sentais un peu plus légère. Quand ça vous arrive, et que vous savez que vous avez une journée qu'il va falloir l'assumer et tout, vous avez envie de péter les plombs. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Dites-vous, c'est pas en mode, je n'arrive pas à dormir parce que je suis sur mon tel, je suis sur TikTok et tout. C'est vraiment, je suis dans le lit, j'ai les yeux fermés. Et juste, je me rends compte qu'au bout d'un bon bout de temps, j'arrive toujours pas à dormir. Dites-moi dans les commentaires si on est qui font ça, comment est-ce qu'ils font, etc. Parce que je vous jure, c'est dur. Je vais me poser pendant 10 minutes, je vais prendre un petit peu le soleil. Ah les gars, je vous jure, ça fait du bien de se réveiller et de prendre le soleil comme ça. J'adore le sud. Vous vous rendez compte, on est au mois de novembre, on est sur 18 degrés. Quand même, hein. Ah, j'ai du mal à me mettre en route. Hein. Au repas ce midi, des lasagnes. On va se régaler. Faites par toi. Et Emma. Et Emma, la cuistot. Salut, bah moi c'est Emma Buana sur les réseaux sociaux. Je fais un peu du contenu lifestyle, what the fuck, rigolade, je pleure, je ris. Oui, c'est pourquoi? Sortez de chez moi, on n'accepte personne ici.
Ah, bonjour. Et juste en mode... Tu m'écoutes? Oui, t'écoutes. Enchanté, moi c'est Marius, aka l'Homme-Ga sur les réseaux sociaux. Tu vas me suivre toute la semaine et tu vas te régaler. Bonjour. On n'accepte personne ici, désolé. Revenez plus tard. Oh, enchanté, c'est pourquoi c'est... Pour le vlog. Ah merde, bah, vous pouvez y aller du coup, vous pouvez repartir. Salut! Les trois vannes bien longues, rentrez dans mon palace. C'est que pour 4 jours. Je vous présente tout ça. Parle pas trop près du micro. Je m'appelle Henri. Ok, vas-y, je parle pas trop près du micro. Bon, alors on va commencer directement par la cuisine, l'endroit le plus important. C'est un petit peu le bazar, mais c'est à cause d'Elix, c'est pas grave, il s'installe. Cuisine spacieuse, parce qu'on a besoin de quoi? D'espace. Parce qu'ici, il y a pas mal de monde. Et du beau monde. On passe au salon, regardez les petits openings de. C'est un peu près, non? Bah déjà, qui c'est qui a pas fermé là-haut? Ça, c'est encore un coup des. Bah attends, on fait comme si on l'avait pas vu, ok? Aïe aïe aïe, le salon des openings de malade. Regardez ça. Oh, mais que se passe-t-il dans ce meuble? Une couverture, c'est tout. Allez, c'est tout, on va... Hop, j'appuie sur ce bouton. T'es prête? Ouais. Il y a des arbalètes et tout, et des mecs qui tirent des flèches. C'est au cas où s'il y a des gens qui nous attaquent. Parce qu'en fait, il y a les bateaux qui arrivent par là-bas. Vu qu'on est les rois de la ville, bah on a ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Ça plus tard chez toi? Mais c'est chez moi, je vous invite pour la visite, donc... Menteur. Bah rien à voir avec du mensonge, c'est un problème psychologique, donc... Bon, enfin bref, on va peut-être pas attendre. C'est un store en fait. Allez, toi, pareil. Tu sais où est-ce que t'as ramené ça du coup, c'est chez toi? Ça, ça, tout droit. Ça vient d'Afrique, ça. C'est lourd. C'est vrai? Ça, je le voyais pas aussi lourd. Je voyais pas aussi lourd le truc. C'est vraiment balèze. Ça va. Oh, c'est lourd quand même. Ça, c'est le tableau, on va bientôt l'installer. Je viens de l'acheter, 25 millions. Pas grand chose finalement. Ici, voilà ma petite terrasse. Voilà. Petite... Ouais, ça nickel. C'est pour... pas du tout confort. Ah ouais? Je me suis assis sur le cousin tout gros. Bah tiens, prends place. Pas du tout confortable. Pourquoi il est tout... Arrête. Bon, je suis timide. Pourquoi il est tout gonflé? Je sais pas, frère. Oh, le coussin, t'as envie de le jeter dans l'eau, c'est tout. Mais il pleut. Ou alors tu m'envoies trop de poussillons, mais il y a un truc. Est-ce que t'avais une chaise un peu spéciale dans le salon? Oh. Ah, c'est trop large. Oh, je pensais que je passais. C'est quoi ma chaise? La chaise, là, bizarre. La chaise? En bois. Bah, mais en fait, toi, t'es juste raciste. Bizarre parce que quoi? Parce que c'est en bois? Bah d'accord. Mais c'est super confortable. Ça donne pas trop envie. Et bah tu vas tester, tu vas voir. En fait, c'est incliné à la perfection. C'est-à-dire, tu t'installes, t'es en régalouse, tu vois. Bon, peut-être pas pour regarder tout le film. Je te jure, vas-y, installe-toi. Il inspire pas confiance, c'est vrai. Mais mets-toi bien, tu vas voir. Vous n'avez pas les jambes comme ça. Mets les jambes sur le côté un peu. Desserre les pattes. Et toi, à l'aise un peu. Voilà, sors les couilles. Sors tout, déballe tout, déballe tout. Pff, oh, défilé. Dresse une presse, pose-moi une presse. T'as la rêve ou pas de poser? Bah frère, je regarde tous tes streams, c'est le mec accro. T'es prêt? On fait un défilé. Alright. On va passer directement en bas. Je vous montre les chambres au cas où si j'ai des petits invités. Bon, ça c'est l'ascenseur, mais il faut rénover un peu, il y a des problèmes. On a eu un petit arbuste qui a poussé. Ça, ça va, en bas, il y a une girafe aussi. Voilà, je vous la présente. Tu l'appelles comment? Ouais, enfin bref. Vas-y, bon, la chambre. Visitons ta chambre. Petite salle de bain, regardez, masterclass. Bon, même si elle met ses affaires partout, Léa, c'est une bordélique. C'est sympa, ça. Moi, bordélique, il lave la table sans lave-vaisselle. Bah, d'accord. Le lave-vaisselle bouge sur la table. Ça, je ne lave la table sans lave-vaisselle. Sans liquide vaisselle, par exemple. Déjà, j'ai une explication. Je lave la table sans liquide vaisselle parce qu'on en a pas besoin quand t'as une éponge en main. Pourquoi tu mets du liquide vaisselle pour laver une table? Pff, n'importe quoi, on est où? Bah, oui, c'est bah, d'accord. Et pour laver ta machine à laver, tu mets de la lessive aussi, donc on est où là? Ah, oui. Il y a ce truc là les gars, j'ose pas sentir, mais vu comment il est coiffé et vu comment il a du gras dans les cheveux... Il pue. Ça va, je m'attendais à pire. Enfin bref, oui, bah, peu importe l'endroit, il sent la même odeur. Hein. Petit salon tranquille, il sert à rien salon, c'est un salon de j'ai trop. Ici, tu sais ce que c'est? Toilette. Non, aspirateur, ici chauffe-eau. Bah d'ailleurs fils de pute, je me suis pris de douche froide tout à l'heure. Bref. Allez, changement de salle. Maintenant on va regarder l'extérieur. Faites pas attention aux clochards dehors, on les garde, mais c'est parce qu'il nous faut un peu d'appel. Quoi? Bonjour. Ah merde, oui, c'est filmé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, The Vic? Victor, anciennement The Vic. Et moi, du coup, qui ai monté l'agence et qui a un petit peu organisé tout ce séjour, c'est moi qui gère. Votre premier top 1? Mon premier top 1 en 2017. Votre deuxième top 1? 2017. Votre troisième top 1? 2017. Quatrième? 2017. 25e? 2017. 85e? 2017. Millième top 1? 2018, je pense. Parfait, merci pour cette interview, The Vic. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment. On s'en fout. On continue la visite, les amis. Je vous présente ma pataugeoire. Rien de bien impressionnant. J'ai planté des petits trucs ici. C'est bientôt fini la visite. Je vous fais faire le tour. Mais le jardin n'est pas très grand. On n'avait pas le budget pour le jardin. Mais on peut empêter chez les voisins. Ah, ils ont caché même des trucs ici. Là, il y a une douche dehors et tout pour la piscine. Stylé, non? Donc, sur Mathéo, les pierres. Bah, il s'est pas douché en fait. Il aurait pu. Il y avait vraiment pas d'excuses. Pas d'excuses. Je crois que la visite touche à sa fin. C'est un bac plus 5, on a jamais oublié. Ah oui. Je peux finir sur un truc où je vous tire dessus si vous voulez. C'est vrai? Oh, la tête de c'est des vrais témoins.
Non. Non. Je vais me lancer dessus. C'est que vraiment c'est des vrais, genre là je sens que la corde elle est, regarde. C'est quoi le petit dessin animé quand on était petit? Haro? Peter Pan? Non. Blanche-Neige? Non. Rien à voir. Il y avait un cheval blanc. Yakari? Oui. Bah t'es raciste. Pourquoi c'est du tir à l'arc, Yakari? Merci pour le bon tour, Marius. Avec plaisir. Avec plaisir, y'a pas de galère. Qu'est-ce que tu fais la nuit toi ici? J'ai croisé à 4h du matin ça. Il lui a touché l'anus. Mais pas du tout. Aïe, 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 quand j'ai vu la maison, les amis. Le banger, le banger. Bah d'ailleurs, je vous ai fait une présentation, j'espère que t'as kiffé. Si t'as kiffé, n'hésite pas à kiffer. On a une chambre de ouf. La piscine, oh yo yo. Elle est folle. La maison, je la connais super bien, je suis très content d'être revenu. Toujours aussi sympa, il y a quelques petits trucs de la déco qui ont changé. Je l'ai assez redécouvert dans le sens où cette fois c'est sur YouTube. En termes de décor, on pouvait faire beaucoup plus de choses. C'est une dinguerie. Je connais un peu les lieux, mais elle est toujours aussi belle. En plus, le soleil du sud, il nous accueille. C'est vraiment une dinguerie. Et puis cette année, j'ai réussi à choper la meilleure chambre. Et ça, vraiment, je tiens à être respectée. Je me suis bien préparée pour vous tourner une vidéo YouTube avec Vic, qui est mon meilleur pote depuis très longtemps. On a décidé qu'on allait vous tourner un qui de nous deux. Ça peut être sympa, c'est un peu à l'ancienne. Par contre, il est pas prêt des questions. Et pour pimenter un petit peu le jeu, on va mettre du tabasco sur des petits morceaux de poulet. Je m'inspire un peu de Hot Ones. Par exemple, qui de nous deux a le plus d'ex? Imaginons que c'est moi, je dois raconter une anecdote par rapport à ça. Si j'ai pas envie de raconter d'anecdote, je dois manger le petit morceau de poulet avec du tabasco. Je vous avoue les gars, je déteste le piment. Même des petites nuggets un petit peu épicées, etc. Je suis déjà au bout du rouleau. Il y en a, ils mangent ça comme s'ils mangeaient des pâtes nature. Et j'espère que ce sera pas moi à chaque fois. Avec le tabasco, j'ai préparé des petits morceaux de poulet rôti. Franchement, ça a l'air sympa. Hein, que je vais mettre au micro-ondes. Les morceaux de poulet au micro-ondes. Non mais les gars, je viens de finir de tourner ma vidéo avec Vic, c'était atroce. De base, j'avais prévu du tabasco. Sauf que lui, il s'est dit non, je vais lui ramener un truc des États-Unis. 7 millions sur une échelle de Scoville. 7 millions, c'est une dinguerie. Autant vous dire que ça m'a arraché la gueule. J'avais la bouche on fire. Là, on part pour aller dans le centre-ville. Je suis habillée en quoi? Tout worst behavior. Le col roulé, le jean aussi, le manteau, le petit sac à main, c'est un Yves Saint Laurent. Mes chaussures, c'est des Adidas. Et puis bah, let's go. Ça va? Pas trop. Tu vas oser sortir comme ça? Apparemment j'ai pas le choix, je dois dire oui à tout pendant 24 heures. Aïe aïe aïe. Ça va? Ouais ça va, carrément. Tu te vis comment? Bah pas très bien, vraiment j'ai l'impression je suis énorme. En plus tu fais du bruit, genre t'es même pas discret, ouais, tu vois. Clochette, c'est trop chiant. La petite guide touristique, regardez ce cinéma, il est toujours là depuis l'époque... Mais par contre il est trop stylé. Et il a pas bougé. Et dedans pareil, c'est des vieux, je sais même pas comment ils arrivent à trouver une salle, mais il est trop beau. C'est vintage. Ah non, il est trop mignon. Vous n'êtes pas? T'es avec moi? Je me sens tout seul là. Non mais ta gueule, avance. Ah ben, n'ayez pas peur, je vais pas vous manger. Excusez-moi, vous êtes qui monsieur? Excuse-moi, tu peux faire un outfit of the day? Outfit of the day, Air Force. Qui ont pris tarif sa grand-mère. Petit jogo, je sais pas. Moi je suis pas d'accord avec le jogging là. Emma, t'as été trop gentille. Ouais. Petite jupette Amazon. Petit pull Caporal. T-shirt débardeur Asos. Petit truc lutin Amazon. Amazon. Sympa. Bijoux, pas de bijoux. Apple Watch et c'est tout. Voilà. Toi t'es un petit client Apple. C'est trop mignon ici, c'est quoi? C'est Saint-Marie. Ça a été refait hyper récemment, genre il y a 6 mois je crois. C'est une petite place? Ouais, c'est trop bien. Avant il y avait une grande route et ils ont tout refait pour que ça soit entièrement piéton. Ah j'adore. Et l'année dernière, tous les ans il y a le marché, ouais. Tout le temps l'été et tout. Et le matin, ça a été certifié meilleur marché de France. Genre. Et Star. Star Saint-Marie, t'as vu? Bah ouais. Et c'est trop sympa parce que le soir, je sais pas si on sera là, on verra, mais tous les bateaux, il y a des guirlandes et c'est ah illuminé. Ouais, ouais, les bateaux genre... C'est tout illuminé, c'est magnifique. Ah non, c'est trop choupi. On va y voir un coup après. Ah, le bar c'est horrible. Je me sens plus à l'aise là. Allez, allez, on va bien activer le bonnet. Hein. Hey, il est bon en impro, hein. Il manque un partenaire, mais vas-y. Ah ouais. Oh non, putain. Ah si, 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 c'est une trop bonne idée. Vous acceptez de prendre cette danse avec moi? Non. Oh, le râteau. On appelle le râteau et le terme en même temps. Bon, là, j'ai plus envie de danser. Je serai les derniers. Ok. Ah, bah parfait. Chaud. Ah ouais? Ouais.
C'est sympa, hein. J'aime beaucoup. Mais par contre, la forme est trop bizarre. Hein. Ah, j'ai trop envie de faire ça. Mathéo nous paye le mini-golf. Merci beaucoup. C'est adorable, mais t'as pas le choix au final. C'est un peu le concept de sa vidéo finalement. Et regardez les gars, il y a plein de petits terrains. C'est tellement mignon. On va combattre les mecs là. Oui, c'est vrai. Va falloir qu'on prouve. Ça fait des années que j'ai pas joué à ça. Alors les gars, je suis. Oh. Oh. Ah, qui a pas enlevé sa boule là? Ah, Emma. Ah merde. Oh là là. Ah, la conne. Qui était tellement presque. Oh là là là. Mais là, honte, les gars, je suis vraiment juste à côté du trou. Là. Ah. Ouais. C'est dur, hein. C'était sûr. Voilà, voilà. Il veut. Non, mais déjà, regardez le terrain. Oh. Et moi je pense que je tire mal le truc. Et deux. Mais, déjà faut le tenir à l'endroit vert. Ouais. Main droite en haut, main gauche en bas. Paf. Oh. 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 Ouais, essaye de battre ça toi maintenant. 17, nickel là. Vraiment c'est à la fin qu'on a 17. Pas mal, on pas est mal. À la troisième piste quand même. Et double karma. Oh, nouvelle méta. Et là elle y va. Oh, oh. Ah bah d'accord. C'est passé pas si d'accord. Près du but genre. Elle revient vers toi. Juste devant le caillou, bien casse-couille. Si elle y va, ça va. Et hop, demi-tour. Ah putain, c'est trop dur. Et là, ça y va. Non. Oh là là. Ah, tu perds tout. Oh, j'ai ouais. Oh, j'ai petit souci, il commence à pleuvoir. Deux, vas-y. Deux, elle y va. Elle y va. Ouais. Oh non. J'aurais pu faire en deux. Trois. Et Léa, one shot. Avec... Hein. Oh, t'as failli glitch le jeu! Oh! 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 Non! Oh non, j'ai cru! Allez, celui-là, tu la concentres, toi! Non! Voilà! Magnifique! Ah, c'est lui le prochain! Non, mais ça, c'est vraiment genre. Le parcours du combattant! Tu la one shot celle-là, avec le spiral et tout? Je te paie bonsoir! Tu me paies bonsoir? Ouais. Ça va le motiver! Allez, allez, je suis tort remixé un peu. Ok, t'es prêt? Eh oh, pas mal. Prépare la pipe. Prépare la pipe. Ouh, presque. T'aurais pu le faire, hein. Emma, la star du mini-golf. Non, non. Pas assez fort. Non, non, c'est trop triste. Meuf, on a, ils ont rien vu, ils ont rien. Allez, premier coup pour Emma. Non, deuxième, moi je l'ai vu. Hein. Ah, et là, le one shot. Mais le trou il est mal troué, genre. Le trou est mal troué, j'adore là, cette phrase. Oh merde, j'ai touché sans faire exprès. Non, touché, non, elle a pas non, touché. Non, ça compte pas, j'ai pas fait exprès, bah je la recule. Le... Ouais, bon, on est gentil. Ouais. Merci. Quoi? Ah, ça s'appelle le karma. C'est parce qu'on était gentil. Grave. Allez, une grosse praline. Mais pas sur nous. Bah. Oh, wow. Oh, oh, oh. Imagine, elle baisse le jeu et ça passe par-dessus et ça, les autres. C'est incroyable. Je recommence à zéro. Bah, non, non, je vous dis si. Mais est-ce que je peux rester dans l'herbe qui est pas dans le terrain? Non, vous êtes pas cool. Moi, j'aurais laissé jouer. Bah, d'accord, donc y'a plus de jeu. On joue pas au mini-golf, on va jouer au golf, vraiment. Cool. Je vais m'écarter un peu parce que ça va être pour la cam. Ça fait y refaire pareil là. Okay. Attends. Ah, dommage. Dommage, merde, ça a pas suivi. Je la mets comme ça. Vas-y. Pour moi, celle-là. Oh! Ferme les yeux maintenant, les prochaines. Bah attends, mais c'est elle qui a fait le mieux. Tiens, c'est elle qui a fait en mieux, les gars. Dernier terrain. Et bah, toi, t'as dit. Bah. Non! La star que tu penses être. Pas de looping. Pas de looping et one shot. La dinguerie. Pas de looping, c'est passé sur le noir? Oui. Bah, c'est de la tricherie. Bah, arrête, ça marche. Arrête d'avoir le seum. Mais je suis un gros seum là. Zéro fun, elle est même pas passée dans le looping. Voilà, c'est comme ça qu'on fait ici. Bah, toi, t'as fait combien? 3? Ouais. Allez, looping. On essaye de faire une belle perf. Ouais. Bah, quoi? Parfait, allez. C'est un demi-looping. Pas besoin du looping, nous. Joue pour 3, à l'envers. Oh, ça m'envoie du strat à l'envers. Punaise. La méta est cassée. Allez, parfait. Ça va, 4. Pas mal. Ça va. Pas mal, pas mal. On s'est bien rattrapé. Ah, et des 1. Bah, d'accord. Bon, bah, ok, bah, pas de looping. Oh. Ça joue pour 3. Fais un beau looping. Je te fais le looping. Allez. Pour la kiffance. Oh, t'as failli m'assommer. Allez. Mais merde, merde, mais Marius, putain, un effort. Mais c'est pas possible. Mais j'ai compris.
Je t'en supplie. Mais fais-le avec ta canne. Doucement. Doucement. Ouais. C'est... Et là, je l'avais one shot. C'est super satisfaisant. Ah oui, très bien. Ah, Emma. Elle joue, elle s'en bat les couilles. Wouah. Non, meuf, sur la caméra, c'est un coup. Ah. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le classement final du Mini Golf Explorer. Donc aujourd'hui, nous retrouvons Léa derrière la caméra, Emma derrière pas la caméra, Marius derrière pas la caméra, Emma et Théo derrière pas la caméra. À la place numérotée, place nulle, nous accueillons Léa. Retournement de caméra, applaudissements. Avec un total de 72 coups pour 15 parcours. Bravo Léa. À la troisième place, Mathéo avec 58 coups. On applaudit. Yeah. À la deuxième place, ça grimpe. Yeah. Nous retrouvons Aya Moana. Ouais. Avec 51 coups. Star. Très star. Ok. Et à la première place, nous retrouvons suspense. Comme par moi-même hasard. Avec par hasard. 47 coups. Trois top 1 aujourd'hui, t'as fait. 3 top 1. Eh ben, congrats. Voilà, ma journée. Vous avez passé un bon moment? Excellent, ouais. Grâce à qui? Notre petit lutin. Merci de nous avoir ralas. Pas enlever la outfit, je commence à en avoir. Non, bah non, c'est ce qu'il y a. Non. Mais en vrai, il kiffait trop le mini-golf, je sais qu'il fasse plus 10. Mec, j'ai l'impression que c'est un homme de Cro-Magnon. Aïe. Tu veux vraiment dire un homme de Cro-Magnon? Allez. Bah d'accord, elle est pas chauffée comme à la maison. Bah super, elle a 15 secondes. Allez, cours. Attends, je vais faire une hypothermie là. Elle est froide, sa mère. Vaut mieux y aller plus vite. C'est un malade. Oh putain, sa mère, elle est gelée. Le golf, c'est pas trop fait pour moi. Désastreux. Alors, au début, à chier. Voilà, faut être honnête, à chier. On voyait qu'elle était pas trop dedans, c'était un peu la galère. Je me suis dit, waouh, elle abuse. Et après, très surpris. J'avais jamais vu ça, la technique à l'envers. Celle-là, c'est la spéciale Léa. Tirée à l'envers, elle la met tout le temps dans le trou. Il y a un talent pour le golf de dos, entre les jambes. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, les amis. Mais sinon, à chier, voilà, de face à chier et de dos, excellent. Mais honnêtement, agréablement surprise, elle a d'être ça. En deux coups, c'est plié. Franchement, j'étais surpris. Là, je me suis dit, ok, elle a un petit niveau. Assez mitigé, mais je lui donne une assez bonne note quand même. Je les ai surpris parce que je leur ai fait quelques masterclass. Tout le monde a parlé de mon coup en arrière. C'est vrai que c'est un petit peu mon tips quoi, ma petite astuce. Essayez chez vous, vous allez voir, vous serez meilleur. Si vous êtes comme moi, vous y arrivez pas, essayez ma technique. Du coup, là, il faut se préparer pour aller au restaurant. Je vous avoue, j'ai vraiment genre juste, bah, je sais pas me déshabiller. J'ai 30 minutes pour me préparer, donc bah go, je me grouille. Bon, soit c'est un top, soit c'est un flop. En vrai, c'est mignon, mais juste. Oh, tu peux me dire ce que t'en penses? Waouh. T'aimes bien? Ah, j'adore. J'ai ma braguette ouverte, tu vois. Salut, bonjour, enchantée. Bah, j'ai juste changé le bas en soi. Les chaussures, ça te choque pas avec les chaussettes? Non, justement, moi je trouve ça encore plus beau avec les chaussettes relevées. C'est trop joli. T'as un grand miroir, toi. T'as vu, c'est dingue. Et le fait que t'aies plein de bijoux, je trouve ça accessoire de baiser. Et donc je garde de l'argent. Sinon, j'ai du doré. Parce que mes ongles. Ah, moi j'aurais mis doré. Ouais, pour tes ongles, je suis d'accord. Ok, bon, j'y vais. Mais très mignon, j'adore. Merci. En fait, je pense que j'ai envie de garder de l'argent parce que j'aime bien ce petit collier. Il est trop mignon. Je l'adore. Par contre, faut que je fasse un truc à ma gueule là. C'est bon, enfin. Warning, warning. Oh my god. Emma, tu m'en voudras pas. J'adore le doré, hein. Mais juste, mes colliers préférés, ils sont en argent. Ah! Je zoome. Putain! Arrête! Il marcelle le zoom. Voilà la tenue. Way! Hey girl, love me like I love you. Way! Na-na-na-na-na. Bon, guys, je suis ready. Attendez. Santé. Non, on tient le cercle. On va jouer. Ah, mais c'est un cadeau. Bon appétit. Moi ça m'a apporté quand même beaucoup de choses. On a déjà plusieurs, avoir un rythme de vie particulier. Bon les gars, du coup là je me fais interviewer par Emma. Maintenant c'est l'inverse, on vient de tourner une vidéo YouTube. Emma à la régie, ça change. Le premier c'est Green Flag et Red Flag. Un abonné te demande une photo dans la rue. Green Flag, en vrai ça me fait toujours plaisir de les rencontrer en vrai. Et je trouve ça limite mieux. Commencer les réseaux jeunes. Green et Red Flag pour ma part. Partir dans le sud pour faire des vidéos. Green Flag, c'est génial. Jouer à Fortnite. Green Flag, j'adore les jeux vidéo alors. Vraiment sur les Fortnite.
que vénère. Faire du mini-golf. Red flag quand on est nul comme moi. J'ai un petit défi pour Mathéo. Dis-moi. Est-ce que tu vois le TikTok que t'as fait avec ta pote, la meuf du fond? Ouais. Ah, ça va, je l'ai. Et bah, je te mets au défi de faire la même chose avec moi. Et on doit le faire en TikTok. Vas-y, bah, je suis au patate. Ça te va? Ouais, moi, je suis un porteur. J'ai peur, hein. Tu me casses pas, hein. Non, je te vois, je te casse pas. Je pense que j'ai déjà fait une fois, je peux le refaire. Moi, je mets mon bras. Je crois qu'elle s'est accrochée à toi comme ça. Ouais. Tu passes tes pieds, tu sautes et moi, je te par pousse. Là ouais. Et moi, je te pousse et je te fais tourner. Mais là, c'est de la grosse peur, les gars. Fais comme ça sur la vidéo, non? Attends, on va remettre parce que. Eh, les gars. Bah, moi, je suis. Les gars, c'est filmé, hein. Je mets juste mon bras, moi. S'il m'arrive quelque chose, c'est de ta faute, hein. Bah, ouais, mais si tu sautes pas, je peux pas faire beaucoup, là. Faut vraiment que tu mettes de l'élan. Bah, tourne. Oh, putain, c'est bien. On a fait un vrai truc. Bah, c'est carré, non? On a pas fait le TikTok encore. Bah, c'est bien, là. Déjà, c'était bien. Bah, attends, mais je suis chaud de barre. Eh, j'ai fait travailler les abdos. Mais... Oh, t'as pas fait d'effort! Oh, t'as pas fait d'effort, là! T'es allé au ralenti, frère! Je t'ai porté en entier! Vas-y, à fond! Deuxième essai! Oh, mais putain! Mais t'es un effort! Je peux pas te porter en entier, wesh! Oh, putain de merde! Pourquoi j'y arrive plus? Arrête, ça m'avait fait tout à l'heure! Eh, vas-y, Franco! Vas-y, tu l'as. Non, il fallait pas que tu fasses, parce que tu mettais les deux bras comme ça. J'ai plus les bras. Tu vois, on peut en retenter un. Non, bah non, c'est... Bah carré, tu m'as frappé. Bah carré. Oh, bah je t'ai pas. Bah tu meurs. Bah carré. Bah c'est une variante, en vrai, c'est pas mal, non? C'est bon, là, la force, elle a donné. Là, on a un marché. Ça va, non? Carré, on a réussi. Bon, les gars, on a dead. Allez voir le TikTok sur mon compte TikTok, du coup. On a tout donné, hein. La séance d'acrogym effectuée. C'est mon tout sport. Le deuxième qu'on a fait, je veux un replay flashback, ce que vous voulez, était incroyable. Et t'as de muscler parce que je pense que plus d'une fois je me serais cassé la gueule. Hein. Ah, ça mérite un gros pouce bleu sous la vidéo celle-là. Bah, bon, merci, défi validé, j'ai un peu le seum parce que, bah d'ailleurs, la caméra, ils ont le bon. Ouais, je suis content. Parce que la cam, vous, les gens qui vont voir le vlog YouTube, vous allez voir qu'on a réussi à la perfection, même, je dirais, la prise de gymnastique. Sur TikTok, un peu moins bien. Mais en vrai de vrai, la performance était là, je mets un 8 sur 10. Bah, franchement, on peut faire danser avec les stars, tout ce que tu veux. On part ensemble, là. On fait un feat, je pense qu'on gagne. Bah, je suis même sûr et certain. C'est quoi ce TikTok? Les gars, c'était sportif, hein. Travaille les abdos, fais la planche et tout sur Mathéo. Mais quelle galère! Je viens de faire les ITV que vous allez voir tout au long de la vidéo. Il a fallu tricher sur quelques trucs, mais juste, j'ai demandé aux gens de parler au présent. Donc, est-ce qu'au final, c'est de la triche? J'en sais rien. Et puis, on a encore un tournage. Et oui, les gars, ce n'est pas fini. C'est vraiment pour nous épuiser jusqu'à la fin. Il est 23h30, on n'a toujours pas mangé, etc. C'est quoi ce train de vie catastrophique? Non, en vrai, les gars, au niveau des contenus, on vous a régalé. Il y a eu pas mal de trucs, etc. Donc, bon, je vais me changer et à tout de suite. Simple, rapide et efficace. Je vous partage mon astuce si vous avez un pantalon trop grand. Un pantalon que vous avez envie de faire un peu plus tomber au niveau des hanches, etc. Prenez un petit lacet, voilà, vous récupérez sur une ancienne paire de baskets. Petit lacet, hop, petit nœud, hop là. Aïe, je sais plus faire les nœuds papes. Vous retroussez un petit peu, ça peut pas tomber, toute sécurité. C'est un peu discret, moi je sais que j'aime bien laisser pendre le nœud. Voilà. J'en peux plus, j'ai faim. Et je vais vous montrer ce qu'on mange ce soir, un des repas préférés. La nourriture. T'arrêtes de te foutre de ma gueule? Choquette. Non mais les gars, c'est un des repas préférés. Ah mais j'hésitais à en prendre beaucoup, mais ça a l'air très gourmand. Merci beaucoup. On vous a pas dit, mais Elix, c'est un cuistot. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai plusieurs fonctions. Je suis multifonction. Il sait très très bien cuisiner. Donc merci Elix pour ce repas. Avec plaisir. Je m'appelle Adrien, j'ai 22 ans. Je suis talent manager au sein de l'agence Ivling, là où travaille Léa. Toujours plus, mais toujours plus. C'est bon ou c'est pas bon? Excellent. C'est le meilleur que j'ai mangé de ma vie. Waouh. Même un italien, il fait pas mieux. Une pâte est tombée. Comment elle est passée? Je ne sais pas. La bonne question, j'ai comment elle est passée, wesh. Tu peux nous donner la recette ou c'est interdit? Des pâtes, des lardons, du gras et de la pâtissière. Non, comme de crème. Alors, et normalement, je mets du parmesan. Et ça, et bah, c'est très très bon. Ouais, bien joué, gars. Merci pour ce regard. Et après, c'est Elix qui a fait le sucre pour donner ce goût. C'est quoi bon. Le sucre? Ah. Waouh. Bah, ça, tu vois, grâce à Elix, il va te dire. C'est, tu vois, quand les lardons, je les ai fait. Grillés.
Quand c'est fait griller, il y a une croûte qui se forme autour. Ça colore. Okay. La poêle, ça reste aussi accroché au fond. Et c'est ça qu'on appelle le sucre. T'as pris toute la crasse, en fait. Quoi. Exactement. Mais sans crasse, en fait, je pense que tous les plats seraient pas bons. Mais donc, on adore la crasse. Allez, hop, et bon appétit, tout le monde. Non, bon, j'adore. Et toi, qu'est-ce que tu manges du coup? Sans carbo et au pesto. Franchement, tu rates, je te dis. J'aime pas le carbo. J'aime pas les carreaux parce qu'il y a les yeux dedans. Adrien, tu me fais un petit plat le matin, j'ai jamais. Ça manque de parmesan. Tu veux pas essayer, Zoli? C'est vrai. On va faire dire à Elix. Yeah! Yeah! C'est pas la pause 28, ça? Bah, je sais pas, je fais de l'impro. Ah, d'accord. Mais c'est un battle de pause 28. C'est ça la pause 28? Oui. Ouais, mais arrête l'impro, arrête tout, frère. Ah, d'accord, j'arrête. Emma, tout arrête. C'est bon, Emma, c'est bon. Bon, les gars, là, il est 3h49 du matin. Je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher. Parce que demain, on a 10 heures de route pour rentrer juste à Paris. Et après, moi, je dois prendre un train pour rentrer à Lille. Donc, je pense qu'à 20h, je suis chez moi, quoi. Je vais penser. Hop là. Allez hop, transition douche. Hop là, il est l'heure d'aller se coucher. Je suis en train de finir un petit peu ma valise, etc. Comme ça demain, j'ai juste à me lever et à tout simplement partir. On part à 7h30 les gars. Gros bisous, bonne nuit et à demain. Le but de ces jours, c'est vraiment de créer pas mal de contenu. Il me semble qu'on va être à la 13e vidéo tournée en 4 jours. Du charbon, mais ça va, c'était sympa. Très bonne ambiance, on a pu faire ce qu'on voulait, donc top. Très enrichissant pour nos comptes et l'avenir de nos comptes. J'ai adoré ce séjour, un peu épuisant parce qu'on vous a fait plein de contenu, mais j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez kiffer les petits vlogs de la petite Léa parce qu'elle va se donner les frères et ça vous régale. Un peu plus longtemps, ça aurait été cool. On a eu une semaine très sportive, on a vraiment travaillé tout le temps, plein de vidéos à droite, à gauche, on est fatigué, on se couche tard, on a toujours la lumière dans la gueule et tout, on n'en peut plus. Mais en même temps, triste parce que ça veut dire qu'on va déjà tous se quitter et qu'on va quitter cette baraque, les gars. C'était un truc de ouf, on a fait des activités, des vidéos, franchement, c'était un bon week-end, c'était trop cool. Toute bonne chose a une fin. En fait, c'est un peu une qualité aussi, je trouve. C'est que t'es naïf. Faut te dire des âneries et tu vas y croire. Mais du coup, c'est vachement drôle. Qualité, du coup, ça rejoint ça parce que moi, je trouve que t'es une fille très très drôle. Je commence par la qualité parce que Léa, elle a plein de qualités. Dès que t'as besoin d'elle, en fait, elle est là pour te rendre service. Elle est serviable, j'ai envie de dire. Que ce soit pour une vidéo ou que ce soit pour de l'aide. Enfin, n'importe quoi, même dans la vie de tous les jours. Elle est toujours là et toujours souriante d'aider les gens. Donc, c'est une de ses qualités. Et en défaut, le réveil. Je dirais qu'elle se lève assez tard. Tu vois pas Léa à partir. Ouais, t'attends 11h30. Avant 11h30, il y a pas de Léa dans la maison. Elle est en train de nice. Deux défauts, ça sera bien. Alors attends, parce que j'en ai plein. Attends, chercher ma liste. J'arrive. C'est dans un truc My AIDS Only et tout pour pas qu'on sache que tu sois comme ça. Voilà, c'est bon, je t'ai trouvé. Jalouse, c'est chiante. Hypocrite, tout le temps méfiante de tout le monde. Médisante, agressive dès le matin. Elle se prend la tête pour des futilités. Hystérique, sans opinion. Infecte, bon, un peu bosseuse mais chiante. La gentillesse. 4%. La fidélité, j'en parle même pas. Le sens de la famille, elle m'a dit. C'est quoi une famille? Elle est même pas gay quoi. Enfin gay, elle est pas gay quoi. Et alors l'élégance, on en parle même pas. Même la girafe là-bas, elle est plus élégante, donc Bah oui, on la voit, elle est habillée comme moi, donc Ah non, c'était que deux. Et la qualité? Ah là, tu me poses une colle. Okay. Mais si, je t'ai dit une qualité, je t'ai dit Si, dans tout ça, là, il y avait un truc. D'accord, pas de soucis. Si, la médisance, tu te rappelles? Non, en vrai, les gars, Léa, c'est la meuf la plus gentille que je connais, les gars. Elle est niaise, trop gentille, elle se prend jamais la tête, je la kiffe. Et sinon, tous les autres trucs, c'était vrai. C'était faux de ouf. Bon, on va commencer par le défaut. Sur les collabs, des fois. Le brief, c'est très simple, c'est super concis, tout ça. Il y a un petit manque de compréhension, des fois, sur 2-3 trucs. C'est tellement con, ça me fait juste galerie, puis c'est toi, quoi. En qualité, quand soit t'es gentil, t'es à l'écoute, et t'es marrante, c'est déjà bien. Hein. Trois contre un. Bon, après, si vous voulez, je peux y aller sur les défauts aussi. On va commencer par le négatif pour finir par le positif. Toujours positivé. C'est un défaut, malgré elle, et je me reconnais un peu en ça, c'est qu'elle est très naïve. Bah, par rapport à son passé amoureux, où elle est tombée que sur des cancres. C'est du coup devenu sa force, parce que grâce à sa naïveté, elle est devenue beaucoup plus forte. En point positif, elle est tout le temps souriante. Si elle le montrait pas sur les réseaux, qu'elle avait ses petits moments down et tout, ce qui est totalement normal, je la vois jamais être triste ou quoi. Elle a toujours le sourire, elle est toujours en train de rigoler et en plus elle a un rire, j'adore. Bah écoutez, bisous à tout le monde, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog avec nous, que vous êtes chaud qu'on repart dans pas très longtemps, je pense que ça va pas trop tarder. Hâte de vous revoir la prochaine. Bisous bisous le vlog. Gros bisous le vlog. Gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a fait kiffer. À la semaine prochaine. Bisous YouTube. C'est la fin du séjour, mais vous nous retrouverez bientôt. Nous autre part. C'est un nouveau truc. Trop cool.